à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Pokémon Éclapourpe, la version Éclapourpe. Et bah c'est parti. Donc depuis le dernier épisode, comme je l'avais dit, j'ai monté mes Pokémon de niveau. Sora de 1 niveau je crois et Nidoran de beaucoup de niveaux. Je vais rester avec Nidoran parce que je l'aime bien. Hop. Ah, mais si j'arrive même pas à prendre des escaliers. Donc dans le premier épisode, bah on avait commencé le jeu, hein. Et on est toujours à la pensée de la Team Rocket. Parle. Pour le son, veuillez m'excuser, malheureusement je n'y peux rien pour ce jeu, hein. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est ainsi. Allez, c'est parti. Chenipan. Eh ben, on va bien commencer, hein. Hop. Tu es nul face à la puissance de Sora. Voilà. Il a bien changé Sora, quand même, de lui. Ah, mon Dieu. Dans une vie intérieure, Sora était un Kaiwinis. C'est... Vous imaginez? Hop. Et ben, pour vous montrer... Pour vous montrer à quoi ressemble mon petit Nidoran, je vais vous le montrer. Hop. T'es parti. Et en plus, il a une capacité spéciale qui est cool. Enfin, si Pokémon m'attaque déjà. Donc, attention, vous l'avez vu dans le premier épisode. Dès qu'on l'attaque directement, il empoisonne son adversaire. Et ça, c'est plutôt cool. Chenipot, ah, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, voilà. Ah, voilà. Le point poison. D'ailleurs, je vais gagner un peu d'argent pour capturer un Pokémon parce que je me suis un peu spoilé. Enfin, spoilé un Pokémon. Waouh, c'est du grand spoil. Je me suis spoilé un Pokémon sauvage qui sera pas forcément... enfin, qui sera pas loin. Pas loin de là où je suis, donc... Et je compte me le capturer. Bonjour, Skitty. Tu m'auras fait du... Tu m'en auras fait baver, mais au final, je ne veux plus te capturer. Allez, hop. Passons. Accélération de fou! Grande accélération de malade! Alors, un sort de Pokémon. Ah, c'est rapide. On a trouvé de l'huile. De toute façon, faut que j'aille par là. Je suis obligé. Une Pokéball. Un Antipara. C'est toujours sympa. J'ai pas fait exprès pour la rime. Bonjour. Oui, je veux ta photo, complètement. Oh, ça va, t'es plutôt mignonne. Bon, allez, chiche mûre. Hein. Par contre, ils ont que des niveaux 5. Hop. Brouhaha. Ils me font pas beaucoup de dégâts. Là, c'est bon, là, ils me font plus de dégâts, là. J'ai 6 niveaux de plus que donc... Voilà, hein. Skitty, bah je vais me faire un malin plaisir de prendre le Pokémon qui t'a remplacé. Mon Nidoran. Hop. Alors je voulais lui donner un nom, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à aller à la vie précédente. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi, c'est triste. Hein. Alors... 82 points d'expérience. Périne. alors, il y a un truc par là. La suite du jeu, je pense. Alors, bonjour, Chuchmur. Niveau 6, même les Pokémon sauvages sont plus puissants que les Pokémon des dresseurs. Si ça, c'est pas malheureux. Hop. Hop. Voilà. Level up.
On va garder ça un petit moment. Ça va être long. Bon là on va éviter les combats parce que ça va être long, très très long sinon. Alors. Ah, à mon avis ici c'est pour revenir en arrière. Donc ça me sert à rien. Je vais pas aller par là parce que à mon avis c'est pour revenir en arrière. Parce que je ne veux pas pour l'instant. À moins que... J'ai même pas assez pour me payer une Pokéball. C'est quand même triste, hein. J'ai même pas assez pour me payer une Pokéball. Bon. Un Grignivol. Fuyons vite ce combat. Et allons au centre Pokémon parce que je suis pas contre y aller. Ah oui, tu m'as... Ah oui, il m'a vu de loin quand même. Ah oui, il m'a vu de très loin même. Bon, bah... C'est parti. Pikachu! Un Pikachu! Alors, est-ce que je vais me faire éclater ou pas? S'il y a une attaque éclair, je me fais éclater, mais bon... Mais Caïminus, il est plus fort! Ici, si, est-ce qu'il y a des attaques qui me baissent mes stats? C'est quand même triste. D'ailleurs c'est pas des attaques, c'est juste des capacités, rythme là. Je me fais avoir comme dans la série en fait. Ah, bonjour statique. Je vais quand même récupérer... Je vais quand même récupérer Lindoran. Hop. Ce Caïminus en plus va bientôt évoluer, hein, je suis en train de penser. Hein. Eh mais je peux pas aller au centre Pokémon. Je sais pas ce qui s'est passé. Oula, ma voix elle a eu un truc bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Nidoran. Bah vu que tu vas monter de niveau bientôt. Hop, aparté. Voilà, normalement il monte de niveau. Level up, effectivement. Et double pied, moi je dis pas de pitié. Alors, par là. Qu'est-ce que mais dis pas que je suis retourné en arrière quand même. Bon, bah tant pis. Tant pis, on est retourné en arrière, c'est triste. Alors, je voulais juste... Bah, vous me direz au pire des cas, là, je pourrais aller au centre Pokémon. Hop. Bon, attendez, je fais une petite ellipse et puis je vous retrouve comment à la sortie. Re, donc, on... Oula, excusez-moi. On se retrouve devant... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Pêche-arbre. Donc, on se retrouve devant une grotte. Le chemin rocailleux. Je vais garder mon... J'aurais bien envie d'utiliser Sora, le problème c'est qu'il n'a pas d'attaque haut encore. Ce qui est triste pour un Pokémon haut, vous me direz. Pas mal de trucs, en gros c'est gros, si tu me bats, je te fais une astuce. Ok, bon bah écoute. Allons-y, c'est parti. Oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y a eu un... Je sais pas si c'était un coup de rame ou pas, mais... Alors... Oula. Eh mais c'est parce qu'on est dans une grotte que ça fait des petits coups de rame comme ça. Ça me le fait plus que d'habitude. Là je comprends rien là. Ok bah rate ton attaque. De toute façon on est nettement supérieur aux Pokémon qui sont dans la grotte, vous me direz. Hop. 139 pour l'expérience et même pas de level up. Ça c'est triste. Un osselet. Oula, j'ai mes écouteurs qui tombent. Mais dis donc, t'as pas marre de rater tes attaques comme ça? Hop. Hop, parfait. Hop. Là, on est lancé, là. Il me fait que des mimiqueux. C'est triste parce qu'il me fait que des mimiqueux. Hein. Hop.
MS2. Ah ah, t'as raté ton attaque, t'es trop nul. Et bim, KO. Voilà. Level up. Et pistolet à eau. Ça y est, on est complètement immunisé dans cette grotte. Tu tiens tant que ça. Oui, je tiens à connaître ton astuce. Vas-y, dis-moi. Ok, écoute, dans cette grotte, il y a des paras qui tiennent des champignons. Un mec à fort et gire, apprendra des attaques à tes Pokémon si tu en apportes. Ouais, mais j'ai pas envie d'un paras, merci. Oh, ouais, un sablette, ça m'intéresse pas. Bon, utilisons notre nouvelle capacité. Pistolet, oh. Surtout que c'est super efficace. Voilà. Ouh, 79 points d'expérience. Mais dis donc, ils en rapportent pas mal. Hein. Il y a des Nosferati, il y a des Rakaïu. Ok. Si on affronte un Rakaïu, je rigole. Ah, non, Nosferati. Bonjour, Nosferati. Tu ne m'intéresses pas. Donc, fuite. Nya. Allez. Les oreillettes. Vénère. Hein, Rakaïu, bonjour. Tu ne m'intéresses pas. Ok, y a rien là-bas. Hop. C'est pour tu. Oh mais non, mais c'est pas vrai. Les mecs, mettez-nous des maxi repousses. Oui, dès le début du jeu. Parfaitement. Parce que là, on va pas être d'accord. Bonjour, les Ningal. Si c'est ça pendant tout le jeu, on va pas être d'accord. C'est parti. Ah ouais, mais je suis sûr que... Je suis surtout dur, forcément. D'accord. Forcément, hein, j'ai dit au passage, mais bon, c'est pas grave. Let's go. Let's battle! Hop, Rakaïu. Pistolet à eau. Et t'es fait fâcher. Peut-être même un level up pour Sora. Ah, presque. Galekid, on va prendre notre cher Nidoran. C'est parti. Hop. Double pied. Bim. Bim. Ça, c'est fait. Ça va quand même pas d'expérience. Oh, bon, ça va. J'ai dû en faire trop. Oui, je crois. Ou peut-être pas aussi. Bon, par contre, c'est un peu chiant, là, sérieusement. Ah, bonjour, Paras. Je ne vais pas te capturer. Oui, je pourrais le monter de niveau, mais voilà. Eh, mais non. Bon, j'ai compris, je vais éliminer Sparas. On fait vite. Blablabla. Et voilà. Level up. Hop. Oh mais non, mais j'ai fait deux pas les gens, j'ai fait deux pas. Eh bah il va être mignon le jeu si c'est ça tout le long aussi. Mais non, mais... mais non. Non, là les mecs, vous avez abusé sur les Pokémon sauvages. Vous avez vraiment abusé. Beaucoup trop abusé, sérieusement. Les gens, sérieusement, là. Oh mon dieu. Dommage qu'il n'y ait pas une option pour faire apparaître moins de Pokémon, parce que c'est... je la prendrai. Alors... Mais non.
Et j'ai jamais réussi à sortir de la grotte, hein. Là... Hop. Est-ce que je peux aller jusqu'à l'échelle, au moins? Hop. Je suis à deux pas d'un dresseur. Tu peux me laisser combattre ce dresseur, c'est possible? Je... Laisse-moi faire quelque chose! Voilà. Tu sais comment... C'est parti, combat dresseur. Mimitos. Ok, si tu veux. Hop. Oh. Bah ça commence bien. Je vais pas utiliser mon anti-para parce que voilà. Double pied. Oh, il me fait que 2 de dégâts, ça va. Ah, par contre, non, on va pas être d'accord pour ça. On va pas être d'accord du tout. Hop, griffe. Voilà. Ah, coup... Wow, coup critique. Ah là là. Enfin bref. Un piaf avec. On garde notre anidan. Je peux limite lui faire un double pied. Oui, il faut moi les brosiers. Ah, zut. Bim. Ah ah. Exactement ce que je voulais. Et normalement... KO avec le poison. Et voilà, exactement. Et level up. Un solo d'eau, je sais plus du tout ce que c'est que ce Pokémon, mais bon. Regardons. Ah oui, c'est toi. Je sais plus si les attaques combat c'est efficace. Je sais que t'es un type sol, donc donc Kaiminus c'est très efficace. Par contre, je sais pas si si les attaques de combat c'est très efficace contre toi. Et bim, soit empoisonné. Bon, c'est parfait. C'est super efficace. Pourquoi il met deux fois la frénésie de machin et augmenter? Ah, c'était parce que je le frappe, justement. C'est peut-être parce que je le frappe. On va utiliser griffe. Ok, coup critique. C'est pas grave. C'est pas très grave. De toute façon, je crois qu'il est KO. Ah, non. Bonne armure. Bah, vas-y. Augmente ta défense, je vais rien te dire. Alors... 96 points d'expérience, c'est très bien. C'est pas normal d'être aussi fort. Ah bah si, hein. Pour nous c'est très normal. Enfin bref, non, c'est vrai, on est dans un hack de rouge. Enfin non, avec le même moteur que rouge. Hop. Oui, je sais, je gaspille limite des potions pour pas grand chose, mais j'en aime pas. D'accord, si tu veux. Quoi, il y a l'animation pour l'antipara et pas pour les potions. Je ne sais pas. Mais bon, je n'aime pas avoir des Pokémon qui ont 31 PV sur 32. Ça m'énerve. Je suis limite parano, mais c'est comme ça. Alors, fuite. J'ai l'impression qu'on a moins de Pokémon sauvages en marchant. On va aller à droite. Bon, le jeu est un peu... Enfin, on est un peu plus lent, mais au moins on rencontre moins de Pokémon sauvages. Et ça, ça me plaît. Et on va déjà être 20 minutes de vidéo, dis donc. Vache. Ah, allez, dresseur. Bah oui. Bonne partie. Eh, je me suis porté ici. Bah la sortie est juste en face de toi en fait.
J'ai moins envie de dire. Ou à moins que t'es rentré par là et que tu cherches la sortie d'après. C'est une possibilité, j'ai envie de dire. Hop, double pied. Ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Bah bon. C'est pas très grave. Griffe. Et bah raté. Allez. Hop, griffe. Cette fois, ça marche. Oh, un coup critique, ça aurait pas été... Enfin, ça aurait pas été refus. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hop. Belle buto. J'ai plutôt utilisé Kaiminus pour ça. Je sais que c'est un Pokémon de type sol. J'ai envie d'utiliser... J'ai envie d'utiliser Sora, voilà. Alors... Pistoleo. Hop. Voilà, voilà. Et un Onyx, c'est parfait. On reprend notre Nidoran. Je me demandais quand est-ce qu'on allait rencontrer un Onyx en fait. Et c'est chose faite. Alors, double pied. Boum. Boum. Et là, s'il fait une attaque charge, il va se soigner. Il est empoisonné. Et même pas. Bon bah, un deuxième double pied, vu que de toute façon, si je fais griffe, ça va rien changer. Alors... Level up. Level up. Oui, maniaque, Elliot. Ok, bon, sortons d'ici. Route. On est encore dans la route 2. Tu veux une astuce? Utilise coup de boule sur certains arbres. Parfois un Pokémon en tombe. Bah oui, mais j'ai pas de coup de boule. Dis donc, est-ce qu'on vient pas de faire un énorme détour là? Mais c'est exactement ça! On vient de faire un énorme détour pour arriver jusqu'ici en fait! Ah ouais, d'accord! Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire! On va passer ce passage parce que c'est long. Alors. Bonjour! Allez, je suis Pokémon, nanana! Ok. J'aime bien parler aux gens quand je suis au centre Pokémon, c'est comme ça. Alors... Allez, on y va, j'ai tellement envie. Bon, faut se grouiller de rejoindre notre squad. Ils nous attendent à l'intérieur de cette forêt. T'es qui, toi, dégage? T'es un membre de la Team Rocket, toi? Comme ces pourritures qui ont volé le Pokémon de mon père? Dis-moi où se trouvent les sbires qui ont commis le larcin de Beau-Rivière, et vite! Tu crois impressionner qui avec tes herbes de chien enragé? Ha ha, violence! Allez, fiche le camp avant que je te corrige. Attends, tu vas voir! Arrête! Ah, rebonjour! Bonjour, Mist. Et voilà, espèce de tête brûlée, moderne tes ardeurs un peu. T'es un dresseur débutant, souviens-toi. Ne te lance pas dans un combat contre deux sbires sans réfléchir. Où tu te feras battre à plate couture. J'ai deux Pokémon sur moi de niveau 12. Non, de niveau 14, dis n'importe quoi. Est-ce que ça peut t'aider à répondre? Ah bref. Bon allez, on ne change pas les gens. Je vais t'apporter mon aide, et dès qu'on les aura mis hors de combat, un petit interrogatoire dans les règles de Rod nous apporter les réponses que nous cherchons. Du moins s'ils savent quelque chose. Non mais c'est qui ce type... Mais c'est que ce type nous prend de haut. Je crois qu'après avoir bouffé vos dents... Les fouteurs de troubles, vous vous tiendrez tranquille. C'est parti! Combat contre la Team Rocket! Violence! Ah ouais, c'est même pas un combat en double! Nul! Bon, un Rattata niveau 10. C'est correct. Mais c'est rien face à moi. Voilà. Va-t'en. Tu es faible. Tu es très faible face à moi. Alors... Nosferapti. Et ben on va utiliser Kaiminus. Puis je pense qu'on va le garder jusqu'à la fin du combat.
Pistolet à eau. Vantardisme. Vampirisme plutôt. Et pas vantardisme. Oh, un coup critique de 5, c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. On continue. Oh, comment tu peux avoir peur d'un obsératif, Sora? Tu baisses dans mon estime, Sora, là. Allez, coup critique, c'est parfait. Hop. Un malos. Bah, c'est tombé bien, j'ai un Pokémon de type O, donc c'est très bien. Hop. Oh, tu es faible. C'est donc cela la puissance de la Team Rocket qui veut nous casser les dents. Enfin, nous manger les dents, même. C'était nous manger les dents, hein, qui a dit, quand même. Cute, hein. Écoutez, il y a des gens qui ont des fantasmes, hein. Et bim, level up. Et peut-être même évolution. Je sais plus à quel niveau il évolue, Kaiminus. Mais bon. Et pas d'évolution, là. Bordel! Je fonce au QG, chercher des renforts. Hé, hey, attends-moi! Non, toi tu vas nulle part. Tu vas gentiment répondre à nos questions. Et premièrement, que sais-tu à propos du vol de Pokémon de Beaurivière? Ok, ok, mais je ne sais rien à propos de ce coup. Ce n'est pas ma zone. Il ne m'a pas convaincu. Je crois qu'il n'a pas assez mordu la poussière. Un combat Pokémon, ça ne suffit pas. Une vraie correction ferait mieux la faire. Mais il est violent. Notre personnage est violent, mais c'est épique. Possible. Mais ce qu'il dit semble plausible. Continue ta route. Moi, je vais continuer. L'interrogatoire ailleurs. D'accord. Dès que t'as des réponses, viens me trouver. Hein? Non, mais je ne sais rien. Laissez-moi partir. Bon, arrête de gémir, on y va. On reste en contact, Jojo. Ok, pas de problème, Mist. I missed. Non, I missed. Ok, bon. Bois paisible. On va terminer... Alors, on va terminer cette vidéo. Bon, bah, viens, on va continuer. J'ai envie de terminer cette vidéo par... Ah, d'accord, c'est des hautes herbes. Par une capture de Pokémon qui normalement devrait se trouver dans cette forêt, si je ne m'abuse. Si mes informations sont exactes. Si on ne m'a pas menti. Évidemment, si j'arrive à avancer. Bon, un peu cool. Non, c'est un pas recool. Remote. Romat, bien sûr. Remarque, ça pourrait être cool un paracool, mais bon, j'ai déjà mon Nidoran, donc ça irait très bien. Maintenant que je... Ah, voilà, il est là. Le Pikachu. Je veux un Pikachu. C'est une obligation. Je me l'oblige. Je veux un Pikachu. Je remercie, bien sûr. Je remercie Cuba pour cette info. Parce que sinon, j'aurais pas cherché à... Bah, chercher un Pikachu. Oui, c'est le seul truc que je me suis véritablement spoilé avec Cuba, c'est l'existence de ce Pikachu ici. Un Hélène de Oran. Bon, bah, comme ça. Et, vous inquiétez pas, hein, j'ai une Pokéball. J'ai un essai pour capturer ce Pikachu. Oula, coup critique. Il fait quand même mal, hein. Et il est que niveau 8. Et il est que niveau 8. Bon, 6 points de dégâts. C'est très bien. J'ai pas envie de me rater, en fait, c'est ça le truc. Bon, merci Pikachu. C'est exactement ce que je voulais. Allez. C'est parfait. Le sac. Ah non, j'en ai deux carrément. Mais c'est parfait. Pokéball, go! 1, 2, 3, et capturé! On a un Pikachu! Et voilà! Pikachu numéro 25! On s'en fout! Oui, je lui donnais un surnom qui n'est pas des moindres.
Il ne regardera sans doute jamais cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Hop, rendre hommage à un de mes vidéastres préférés, Neru Manga. Que je vais... Quoique, est-ce que j'ai assez pour mettre manga? Eh ben j'ai assez, c'est très bien. On va l'appeler Neru Manga. Neru Manga, bienvenue dans l'équipe. Alors je vais retourner au centre Pokémon, si j'y arrive. Bonjour Mimigan. Mais j'ai l'impression que la forêt a pas l'air si grande que ça, donc je vais aller jusqu'à la prochaine ville, si j'y arrive. Bon, déjà, je vais aller me soigner. Enfin, surtout mon Pikachu. C'est surtout mon Pikachu que je vais aller soigner, en fait. Et le dresseur là-bas me fait à moitié peur. Ah, bah c'est parfait. Un chenipot. Hop, voilà. Mais non, mais... Et mais quand je vous disais que, limite, quand je marchais, j'avais moins de Pokémon sauvages, c'était pas un mensonge. Et je pense même que je vais faire comme ça. Eh mais non, mais ça devient énervant. Ça devient très énervant. Un chenipan. Ah ah, la rime nulle. Bon, je pensais finir la vidéo après le massacre que j'ai fait à la Team Rocket, mais bon, si la forêt est pas si longue que ça... Je peux la finir. Je peux me permettre de faire une vidéo un peu plus longue. Bah, sachant que j'ai fait une vidéo de 35 minutes lors de la première. Je peux me le permettre. Alors. Voilà. Et 3 Pokémon maintenant. Dont un Nidoran qui a pas de nom, mais c'est pas grave. Bon, Neru Manga, bienvenue dans l'équipe. Voyons voir ce que tu as. Alors déjà, nature assume, j'aimerais bien voir sa capacité spéciale. Bon bah statique, ça m'étonne pas. Alors on va faire un truc. Voilà. C'est tout con, mais je préfère avoir ça en première attaque, je sais pas pourquoi. Je me repère mieux. Alors...